Heureux les amis, heureux à tous. Accordez-moi une petite seconde, parfait. Et on dit bonjour à vos petits copains de YouTube, parce que pour eux ce sera une deuxième vidéo, bien évidemment. Et cette fois-ci, on va se retrouver pour Prison Simulator, puisque j'ai la version définitive qui sort le 4 novembre, bien évidemment. Alors je sais pas si j'ai tout débloqué, ou il faut que j'attende le 4 novembre. Nous allons voir, bien évidemment. Donc oui, vous pouvez faire un petit coucou à YouTube. Merci à eux aussi d'être présents. C'est très gentil. Alors attendez, parce que évidemment, il va falloir que je lis le merdier, comme d'habitude. C'était pas convenu. C'est histoire qu'on rigole. Alors là où je suis déçu, c'est que le jeu, il n'y a pas le FR. Alors que normalement, ils vous l'ont notifié en FR. J'ai quand même vérifié. Il y a polonais, il y a, je crois, japonais, espagnol... turc. Bah tant pis, on va jouer in English. Je compte sur vous, hein, pour les traductions. Le premier accord de la musique, j'ai cru à la musique de Tristram dans Diablo. En chinois, allez, on te traduira. Merci. Ça marche, Herdog, des gros bisous. Et d'ailleurs, j'ai une idée qui n'est pas là, qui va pas vous déplaire, les enfants. New game, oui. Difficulté, non sergent. Sergent c'est bien. Permades carrément. Non non sergent, sergent, sergent. Confirmé. Oui. Turc c'est raccord avec la prison. Oui mais non. Choose a name for your facility max 32. D'accord. Ok. Name de prison, ah, le nom de ma prison. Vous avez une idée à la con? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme prison? Allez, une idée de prison. Franck, c'est pas une savonnette là par terre? Prison spiralée? La spiralite. Club Fed. Sing Song. La spirale. Oz. Oh, excellente référence, Oz. Ah, je vais choisir la référence de Nomade. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une... Elle est pas jeune, hein, comme série. C'est une très bonne série. Par contre, si vous êtes dépressif, ne regardez pas, hein, s'il vous plaît. Hein, parce que c'est un peu... Oui, oui, c'est ici qu'on crée nos prisonniers, d'accord. Oui, oui, on s'en fout. On confirme. Alors, on a Mason Davis. Ouais, randomize all. Alors, on va d'abord faire les viewers. Et la première, c'est Julie PZ. Le chat en tôle, c'est ça. Mais je réserve aussi un plaisir pour certains d'entre vous. Julie PZ, not lock. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Julie? Non, non, tu es très bien comme ça. Tu es très très bien. Armless, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va lock. Ensuite, je vais choisir qui dans la chatroom? Dorbatchev. Dorbatchev, parfait, on lock. Negligent homicide, ça veut dire quoi? Stealing a throw cat, t'as volé un chat? D'accord. Bah écoute, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Qui je vais choisir? Oh, ça sera Thomas. Thomas Dangmar. Oh, te marre pas, Joey. Et bonsoir, Lydia. Quel plaisir. Ça fait un moment que je t'avais pas lu. Comment vas-tu? Ça sera Joey. Brutal Rape. C'est original, mon cher Joey. Ah, je ne peux pas choisir autre chose? Ah, je ne peux pas choisir. Bon, bah, tu seras Joey Freeman. Je suis désolé. Je propose. C'est un Manu, je crois, mon Franck. Ah, d'accord. Eh ben, déjà, on a Joey.
Ensuite, on va voir le fufu. Le fufu dinosaure. Qui je vais mettre? J'ai eu quelques soucis de santé, mais ça va mieux maintenant. Oh merde, rien de grave, j'espère, ma belle. Salut, Mister Luigi, j'espère que tu vas bien. C'est... Oui, je sais, Marc, c'est un peu particulier, ça, je te l'accorde. Qui j'ai encore sous le coude? Ah, je regarde. Ah, te marre pas, nomade. Tu vas prendre ta rive, toi aussi. X. Nomade. Ensuite, qui j'ai? Non, juste le dos bloqué avec interdiction de bouger. Ouais, c'est mauvais le dos. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, ma chérie. Et crois-moi, je me suis retrouvé en position salutation du soleil et comment dire, j'étais pas jouasse. Yaga. Lon. Oh, tu as été cruel avec les animaux? C'est mal, Yaga Lon. Oh, voleur de bijouterie, qui je vais mettre? Ça va, Imo. J'ai oublié que cette phrase est copyrightée. Yag, Elon plutôt. Allez, si tu veux, allez, on le modifie. Yag, Elon. Qui on a? Qui j'ai là encore sous le coude? On va te faire plaisir. Illidia, tu veux aller en toll? C'est pas la question que tu auras tous les jours. Profites-en. T'es pas obligé de répondre. Avec plaisir. Je vois qu'on n'a pas froid aux yeux. Tu es une voleuse. Illy. Dia. Le mec il se fout pas. Et maintenant, qui vont être les autres prisonniers? Eh ben c'est mes modérateurs. Qui j'ai comme modérateur? J'ai Marc. Marc, causing fatal accident. Oh bon, c'est pas grave ça. Elsander. Chaton. J'ai princesse. Insulting public figure. Oh, ça te va bien, je trouve. Edreda. Princesse. Yaraz, parfait. Professionnel piraté de software. Bah, tu seras un pirate informatique, Raz. Razla. Merde. Razla. Han. Bon, vu qu'on a encore de la place dans la prison, je peux rejoindre la population? Ça dépend, s'il n'y a pas assez de modérateurs. Qui j'ai d'autre comme modérateur? Que des gros durs ici. Quoi, c'est tout? J'en ai trois? Quelle arnaque! Bon bah tant pis, on va le filer aux autres. Hein. Alors, qui se pose Mister Luigi? Mais Yann mérite sa place en prison. Ah, je vais pas foutre Yann en prison. Très bien, Siegfried. Tu... Ah, mais il y a Virginie. Parfait. Et Wong. Miss. Voilà. Alors, qui nous allons mettre? Et salut à toi, Autoriki. Je me propose si jamais, t'inquiète. On va mettre Vitry. Ah ouais, je peux pas. Bon bah tu seras Vitry Pretzel. C'est pas affreux. S'il y a encore de la place, je veux bien. Je veux bien faire des prisonniers, ça marche. Ah, mais tu es là Donovan, toi aussi tu vas prendre tarif. Aenarae. Dono. Et comment vas-tu, Might Wolf? Il me reste une place. Et bonsoir Poupette, comment vas-tu? Hey, vous savez quoi, la dernière place on va la jouer au bingo. Ouais. Comme ça, je suis pas fourbe. Patin. Aurais-tu l'amabilité, la délicatesse, la gentillesse? Non, toi, tu es en repos. Virginie. Virginie ou Donovan, si vous avez l'amabilité de lancer un bingo. Salut, Dim. Comment vas-tu? Et tu le chouchoutes. Ça va et toi? Bah, écoute, ça va.
ça va, tranquille. On va rigoler. Oh bon, bah lui, ça va piano piano, Poupette, hein. Je te mens pas que ça fait quelque temps que les nuits sont courtes. Quoi, courir nu sur une place publique est utile pour me faire remarquer? Le bingo. Alors ceux qui n'ont pas de prisonniers. Jouer. Ceux qui en ont déjà un, vous pourrez l'offrir. Ne soyez pas volontaire, on va se faire matraquer. Oh oui. Oh oui, ça va être génial. Ça va être drôle. Oh oui, vous allez tâter de la matraque. Ça, vous allez en tâter. Qui a gagné? C'est Méphistos. Ah bah, mon cher Méphistos. Méphis. Toy Store Robbery, t'as volé un magasin de jouets? Mais t'es un salopard. Parfait. Eh ben écoutez, finish. Je crois qu'on a tout fait. Oui, je sais que c'est des gangs. Je m'en souviens. Alors les squirrels. Donc non. On va mettre. Il n'y a pas une épée. Il faudrait une épée. Alors ici, ça sera les viewers. Et dans les viewers, on va mettre Julie, bien sûr, qui est le chef de gang, hein, bien sûr. Dorbatchief. Joey. Le Fufu. Et ici, on va mettre. Alors, les modérateurs. Voilà. Modérateur. Et on va mettre. Princesse, chaton, Raz et Oong, Aenare. Parfait. Non, il n'y a pas de membre des biens. Quoique, ça pourrait créer. On va mettre. Les soumis. Voilà. Je ne sais même pas pour quel crime je suis en prison, mais c'est une erreur judiciaire. Pour les soumis, on va mettre comme chef Thomas, je pense. Non, mais il n'y a pas de chef en plus. Yag. Illidia. Mister Luigi. Ah, c'est qu'ils sont plus nombreux que les modérateurs. Hein. Vitri. Et le dernier, c'est qui? Dernier, c'est qui? Merde. Ah, bah Mephisto, t'auras pas de gang. Je pense que c'est bien. On va s'entre-suriner. J'aime bien les logos des viewers. Mais je sais. Moi, j'aurais mis les sumos. Finish. C'est la taupe des gardiens, Mephisto. Bon, il y en aura bien pour venir me lécher les pompouzes. Hein. Ah oui, c'est bien la version définitive que j'ai. Mais je comprends pas pourquoi j'ai pas FR. J'espère qu'ils vont le modifier avant. Brosse à dents, je connais la méthode, Thomas. Je crois pas que je te connais pas. Alors bienvenue à Prison Simulator, to full update and report, d'accord. D'accord, donc je dois faire les routines de quotidienne. Le journal CJ, during the day, react the bad behavior. Ah, je peux discuter avec eux ou j'ai de la force. J'userai de la force. In between routine, you can use. D'accord. Most of you, bye.
D'accord. D'accord. Quoi, j'ai dit dollars? Putain, c'est tellement plus. Ouais, je peux pas le mettre en FR. Hein. Oh, je l'ai dans l'os. Hein. Putain, tu sens que je vais le faire comme un roumain. Bon, je compte sur vous. Hein. Ah, c'est plus fluide que dans le prologue. Ah. Des de la pata. Des pa la pata? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tisto mitma, si tu. Oui, je suis le nouveau, oui. Fradis dire tapa. Richard, ravi de faire votre connaissance. Nice to meet you too. Tomistara tutu. Oui, donnez-moi des conseils. Kista Maragati. Fradis dire tapa. D'accord, ça dépend de mes actions. D'accord. Il parle en quoi? En simlish. Thomas, un petit peu d'effort, merde. Faites votre job proprement. D'accord. Pata pata, Franck. Bichimiti, petit pata. Oh. D'accord, il y a certaines choses qui déplaisent, d'accord. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Fradis dire tapa. Tu te mets le doute, Franck? Tout. Bon, j'ai compris que c'était équilibré, quoi. En fait, tu vas obtenir le respect des gardiens si tu fais l'ordre, et l'inverse des prisonniers. Par contre, si tu es un peu laxiste, voilà, tu as le respect des prisonniers, mais pas ceux des gardiens. J'ai la scène des Cassos avec Dora et Inspecteur Gadget. Shingrat, tout madré. Je parle pas italien. No, I'm good, I'm good. Let's go to the Warden. D'accord. D'accord, la map c'est M. Attendez. You can equip yourself with mouse control entre 1 et 7. D'accord. Bon, bah, je vous suis, hein. Il faut avoir les bons entre les deux. Oui, ce qui m'était pas arrivé avec le prologue. C'est là, je suppose, Richard. D'accord. Oui, c'est le patron. Tapuna puta. Pour le RP, faut sympathiser avec le gang des modérateurs. Kenis. Nice to meet you. Oh, bah, il est sympa. Oh, Nervous. Non, non, ça va, franchement, ça va. Mr. Warden, d'accord. D'accord. D'accord, il faut que je regarde dans mon journal. D'accord. D'accord. Bon, non. I'm good. Ok. Doit pouler les autres gangs. Pour devenir son bras droit lors de la prise de pouvoir. Attendez, je dois aller où? Go to the cell block. D'accord, donc il faut que j'aille aux cellules. Ok. Je suis pas inquiet, ça va bien se passer. Je sais ce que je fais, je suis un professionnel. Salut. Ah,
Oui, non, c'est pour la bouffe, mais je pense pas en avoir besoin. Oui, bah, bon, bah, écoutez, on va prendre. Vending machine. Légal, illégal. Oh, je vais prendre. Un cola. Ouais, bah. Voilà, j'en ai un. Ça suffira. Ça suffira. Un cola, c'est bien. Attendez. D'accord, ça c'est ma force directe. D'accord. Ok, avec ça je me protège. Ça c'est ma radio. Ah, il faut être niveau 4. Ok. Bon, oh, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Se prépare à foutre le feu à sa cellule. Ferme la porte de la cellule de Julie pendant qu'elle y met le feu. Me boudez pas. Ah bah là vous avez... Je suis sûr qu'il y en a bien un qui va me lécher les pompes. C'est obligatoire. Comme ça c'est la tôle. Patitou. Alors. Is to check to attendance. Go to the duty office. Alors on appuie pour ouvrir avec eux. D'accord. Ah, il faut que je prenne le clicker, d'accord. D'accord, s'il y en a certains qui ne coopèrent pas. Ouais, ça va coopérer. Dans leur intérêt. Alors, check les prisonniers. Julie. C'est checké. Gorbatchev. Thomas. Bah alors le fufu, on s'excite? Faut pas s'exciter, hein, c'est pas bon pour le cœur, tu sais. Nomade. Tiens. Mais qu'est-ce qu'on a là? Tu veux pas sortir de ta cellule, Yag? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. I can turn my baton at him soon. Hein, tu... Ouais. D'accord, t'écris dans ton livre. D'accord. Allez, je vais te laisser finir. Je suis pas un salaud, moi. Ah, select the talkie-walkie. Attends. De pacifier, d'accord. Select the talkie-walkie and go to the aggressive person. Use the talkie-walkie and choose one of the available punishment. D'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. Il faut utiliser le talkie. D'accord. Oh bah il est blessé. Bah alors, qu'est-ce que t'as foutu? Bon. Allez. On n'est pas des salauds. Ah là là, il y a. Ouais, la grosse baston derrière, ouais. Mais on va le punir quand on aura 2 minutes. Non. Bah alors, Illidia, on fait un gros pipi? Ah,
Oh, can me art. Fucking math and tira. Bon, il y a, bah, je vais te laisser à faire pipi. Oh, dites, vous allez tous me faire chier là. Princesse. I can't go today. Ah, tiens donc, et pourquoi? Tu as peur? Tiens. Tu fais dans ton froc. Ah, tu as peur de Thomas. Mais non, faut pas avoir peur, Thomas est quelqu'un... Oh, allez. Allez, bah allez, on n'est pas des monstres. Mais oui. Voilà, on a un peu le respect des prisonniers. Hein, parce qu'on n'est pas un salaud, hein. Qui je suis. Hein, merci Franck, mais je t'en prie, il te crèvera dans les douches. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que tu me racontes là? T'as fait un mauvais rêve? Mais je m'en fous de ta vie. Bah alors mon petit Vitry. Ah mon petit Donovan, regardez-le. Il est bien là le petit Donovan. Voilà. Non, il se fait. Ah, on peut faire des quêtes annexes. T'as pas une barre de nougat dans ta main, mais il matraque. Mais je vais pas matraquer tout ce qui bouge. Princesse a un peu flippé. Il faut que j'équilibre, hein. Il faut qu'il me respecte et en même temps, il faut que les autres me respectent aussi. Bonne nuit Yag, des gros gros bisous. When you notice that someone... Ouais. Ouais. D'accord. You can skip. Ok. Ah, les deux respects ont diminué. Free time. Ok. Bon. Non, bah on va pas sortir la matraque. On va se balader un peu. Ah là là, princesse qui a peur de Thomas. Ah, c'est dur la vie en prison. Hein. Enfin, je suis pas un monge, j'ai laissé aussi Yag finir son livre. Le tarif, c'est une caresse pour deux coups de matraque. Mais vous, tout de suite... Gardez à l'esprit que je ne suis que amour. Ah. Oh oui, je veux tirer. Ouais. Oh, je préférais un flingue. Non, stand 1. Ouais, au pistolet. La tête ou le torse? D'accord. Il faut que je clean? Vous êtes sérieux? Quelle honte. Obligé de nettoyer. Ouais, je vous jure. Alors que moi, je voulais juste vous tabasser, en fait. Pas moi ça. Voilà. Ok. Oubi, est-ce que j'ai dit sur la loi et l'ordre? T'es un larbin, on dirait. Oui. Alors, comment je fais pour sélectionner...
Alors, moi je veux bien, mais... Ah, c'est parce que t'as tout ici. Oh, fort bien. Voilà qui est délicieux. Ah, je suis vraiment de l'arbinos du coin, quoi. C'est... J'en suis... Je me dégoûte, en fait. Je me dégoûte réellement. Ouais. Qui a chié sur les murs? Pose pas de questions. Ah ouais. La tâche là-bas. Ah oui, un batum batatum. Là, on se demande qui a tagué sur les murs. Encore Julie. Je crois, Julie, que tu vas pas sortir de suite de prison. Prends pas mal, hein. Tu sais, c'est la vie. Ça va pas être immédiat, quoi. Ah bah bravo. On reconnaît tout de suite la marque de fabrique. Allez, les blocs de cellules. Je peux peut-être passer par là, non? C'est pas plus simple pour moi, ouais. Et si Julie... Non, mais écoutez, c'est normal, il faut bien commencer quelque part. Ah, j'ai une barre de stamina, très très bien. Ah bah super, devant tout le monde. Ah, et en plus c'est moi qui clean leur cellule à cette bande de porcs. Gorbatchev, qu'est-ce que t'as foutu? Non, mais... Tu mériterais que je te massacre la tête. Salut Azucar, comment vas-tu? Ah bah, c'est un joyeux bordel. Quelle honte. On attend la sortie dans la cour et je veux que tout le monde sur le coup, ça va saigner. Eh ben, Razlan. Gros saignement de nez, hein, Razlan. Ah, je vois qu'il y a aussi des saignements de nez ici. Princesse. Bah, finalement, Thomas est passé te voir, je vois. Ouais. C'est pas grave, hein. T'as pas eu tes chocs à pic ce matin? Quel choc à pic. Ah là 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 là. Allez, on va récupérer la petite éponge. Quelle honte. Quelle indignité. Quelle indignité. Oh non, t'es encore en train de pisser, c'est pas possible. C'est qui pisse là? Virginie, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ça va, hein. J'en ai une plus grosse. Alors... Ah, je vais retourner au champ de tir, j'ai envie d'utiliser le pistolet mitrailleur. Est-ce que je peux passer par là? Non, par là. Ça marche, princesse. Ah ouais, Julie, intéressant. Intéressant. Ça marche, Virginie, des gros bisous. Et repose-toi bien. Ah, je vois qu'ils ont enlevé cette activité, c'est très bien. Elle était vraiment chiante. Stand 1, ouais. Non, le pistolet. Ah, j'ai le droit qu'à ça. Bon bah tant pis. Non, oui. Touche pas la tête. Ah, tout de même. Bon. Go get the prisoner for the cell block. Ok. Dans leur charme, non?
Alors, pas si on te le demande pas, Dim. Après, je peux fouiller leur bloc, hein. C'est pas un problème, ça. C'est qu'un détail. Alors, on va pas flinguer toute la stamina, bien sûr. Go. To go to the workshop, select some prisoner who's using the clicker first. They will be ready for assembly. D'accord. If you indicate the maximum amount of people, follow me. D'accord, c'est sur tab. Ok. Alors, qui je vais prendre? Non, 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 non. Voilà. Alors, qui on a ici? Julie? Oh, bah Julie, tu vas aller bosser, hein, ça va te faire du bien. Je sens que t'as besoin de te détendre. On va choisir la petite soumise du bloc. Bah, où est-elle, princesse? Ah, peut-être à l'infirmerie. Ah bah t'es là. Voilà. Bonsoir Yosh. Voilà, allez. Oui oui, vas-y princesse, n'aie pas peur. Et je vais te faire plaisir, on va choisir Thomas. Il est où Thomas? Oh bah non, on va choisir Raz. Allez, on y va Raz. Voilà. On va prendre Mr. Luigi. Ah ouais, Dorbatchev. Tu me tapes, j'appelle mon avocat. Ah bah y'a Thomas. Ah, oh, on va pas le faire, tiens. Ah bah tiens, Joey. Va te faire du bien de bosser aussi. Allez. Ah. C'est très bien. Très très bien tout ça. C'est bien, vous bossez bien. Julie, qu'est-ce que tu veux? Ensuite, il faut faire ça et on fait follow me. Allez, on y va. Bande de couleuvres. Si on a un qui bronche, je lui défonce sa mouille. Bah alors, ça traîne un peu derrière, hein. Bougez-vous le cul. Ah bah. C'est un peu long tout ça, hein. Allez, on y va. Ah. Mais non, Julie, tu n'arriveras pas à choper les clés. Pour ça, faut être dextre. Allez, on y va, là. Voilà. Voilà, on y va, on y va. Allez, bande de nuls. Now go to the locker on the right of the entrance. Take out your chosen tool. Défaut E. D'accord. D'accord. Have to work a determined time, but if they work longer, the prison will earn more money. D'accord. Oh, Joey, je sens que tu vas en manger une. Alors. Alors. Alors, to assign tool talk to each prisoner. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner? On va te donner le marteau. Allez, dépêche-toi. Princesse, qu'est-ce que je vais te donner? Le tournevis. Salut Krasarus, comment vas-tu? Des Jar Jar Binks. Mon cher Pat. Une wrench. Bien la wrench. Mr. Luigi. Je ne sais pas ce que c'est. Et je vais te donner ceci. Oui, bien sûr, Joey, bien sûr. Ça a l'air de bosser, c'est bien. Ça va, ça bosse? Ouais, c'est pas ouf. Hein. Bah. Princesse, qu'est-ce que tu blandouilles? D'accord. Ça a l'air de bien se passer, c'est très bien. Ça bosse? Ça a l'air de bosser.
Mais alors Joey, c'est pas possible. Tu t'es blessé, mais comment t'as fait ton compte, Joey? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu glandes, hein? J'ai l'impression que tu bosses, non? Ouais, tu es en train de bosser. Ok, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. On est mis à l'infirmerie ou tu vas y retourner? Ah bon? Il est où? Ah! Vraiment. Oh là là, mais c'est pas possible, des branquignoles pareilles. Incompétent jusqu'au bout, hein. C'est fou quand même. Oh là là, c'est pas possible. Bon, y a plus personne de l'autre côté. Évidemment. Ah oui, vous tombez dans les vapes assez facilement. Bon, après, vous avez le droit de vous blesser, hein, c'est normal. Tu as bien choisi, Franck. Ouais. J'ai vraiment choisi des... Ouais. Ouais. Vraiment des branquignoles, hein. En même temps, vous n'êtes pas nombreux, hein. Donc, on va se mettre dans l'encadrement de porte, hein. C'est pas possible. Vraiment des chèvres. Ah, vous êtes plus que trois. Qui a commandé un ras bien cuit. Ah, là il est à point. Là, à point. T'aurais peut-être dû les fouiller pour récupérer les outils, non? Non, parce que quand tu utilises le Toki Walk, c'est pour les envoyer à l'infirmerie, donc automatiquement je pense que tu récupères. Mais non, regardez, la prison récupère un peu de pognon. Il bosse. Même princesse. Oh, princesse, si tu savais quand j'ai envie de te. Bosse plus vite! Gather the prisoner, comment on fait? Ah! Allez, plus vite! Bah alors, princesse, t'as perdu des outils? C'est bien, Julie. Tu me demandes du respect, ça c'est bien. Alors, collecter. D'accord. Oh, come on, Trinde. Ouais. Merci. Tu vois, c'est ça que j'aime, Julie. C'est que t'es docile. Je réponds plus de rien. Merde, j'en ai perdu mon filtre pop. Merde, t'es conne. Give back the tool. C'est bien, princesse. Tu vois, c'est ça que j'aime. C'est bon, ça. C'est bon, ouais. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, princesse. Et Mr. Luigi, tu vas pas rebeller, hein? Non. T'as faim? C'est bien. C'est bien, ils sont bien ces petits, ils sont très très bien. D'accord, bon, on va vous fouiller, hein? Voilà, bouge pas Julien, hein. Bouge pas. C'est illégal. On va sécuriser. Bah alors, qu'est-ce que tu fais avec des clous, Julie? No way. Oh, princesse a été contente que je récupère tes clous. Ne rigole pas, princesse. Allez, à poil. Une barre de chocolat? Ah. Allez, va, je te la laisse, ta barre de chocolat. Va. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a là? Mais c'est une mèche! Oh bah, Mr. Luigi! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Merde, Julie, Grig! Franck, si tu veux faire des sous, la vente organes de prisonniers, pense-y! Salut papy, comment vas-tu?
tu les as pas assez bien cachés, Julie. Mais non, c'est Princesse qui me les a mis dans la poche. Non, je confisque, c'est tout. Oui, bien sûr, j'en parlerai à ma cousine. Allez, venez avec moi, bande de nuls. Allez, bande de bras cassés, incapables. Mais je voulais faire un cigare. Rebiffe pas, Mr. Luigi. Rebiffe pas. Ça m'embêterait de te casser une dent. Puis tu sais, au workshop, un accident arrive vite. Hein. Tu sais, travail manuel, tout ça, tout ça. Allez, retournez dans vos cellules, bande de nuls. Ah, j'ai fini ma journée. Cool. Ah ouais, bonne journée à tous. Attends, j'ai pas fini moi. On va fouiller la cellule de Joey. On sait jamais. Je préfère faire du rabat. 40% de perte, c'est pas mal. Et c'est correct. Bah alors, on cache de la bouffe dans les chiottes? Je te la laisse, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça, Joey? Un marteau? C'est très très mal, heureusement que t'es encore à l'infirmerie. Ah là 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 là. Ah, Joey. Ah. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a, Lydia? T'aimes pas me regarder? Hein, je te fais peur, mais il faut pas. Ouais, on a Vitry. Oui, la cellule de Julie. Ah, Julie, en train de faire pipi encore, petite vessie. Hein. Ouais. Fais pas attention à moi. Voilà. Des chips. Ah. Allez, va, je te les laisse, tes chips. Là 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 là, t'as fini de faire pipi là? Là dis donc, tu pis sur mes pompes. C'est en train de m'énerver, tu sais. Oh, on va fouiller encore. Ah, t'as rien sur toi. Hein. Tu peux te casser de tes chiottes. Hein. Allez, vire-moi ton cul. Allez, qu'est-ce que tu as là-dedans? Y'a rien. C'est très très clean tout ça. J'aime pas partir sans rien. Bah alors mon petit Donovan, on fait un bon dodo? Qu'est-ce que tu as mon petit Donovan? Et bim! Ouais. Des chips! C'est triste de planquer des chips. Très très triste. Ah, comme par hasard, tu pisses au moment où je fouille. Et le pire, tu veux savoir, Yosh, je change pas de gants. Pousse-toi. Putain, il pisse à côté, non, c'est pas possible, des branquignoles pareils. Qui on a ici? Vitry? Non, je vais te laisser Vitry. Oh, Virginie. Oh, tu m'as l'air assez agressive. Qu'est-ce qui se passe? Tu caches quelque chose? Oh non! Rien? Surprenant. C'est très surprenant tout ça. Je suis un peu déçu. C'est compliqué de viser, on m'a confisqué mes lunettes. Vise volontairement les pieds de Franck. C'est dommage ça, Donovan. J'aimais bien ta cellule, elle était très propre. Il va y avoir des soucis. Ah, princesse. On a peur de Thomas, tu as peut-être caché quelque chose pour te défendre. Dis-moi que t'as quelque chose, princesse. Non, rien. T'as été gentil. Tiens, des joints, princesse. C'est pour se détendre. On est un peu nerveuse en prison, hein. Je te les laisse, Thomas va te défoncer. Allez, va, c'est parce que je suis pas un salopard, va.
De la limonade. T'inquiète, on se revoit tout à l'heure. Bon, bah j'ai fini ma journée. Hein. Le favoritisme ? Hop, 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 Joey. Quel favoritisme ? Ah bah non, j'ai déjà fouillé ta cellule, j'ai pris ton petit marteau, c'est pour ça que t'es pas content ? Bon. Allez, bisous. Fouille chez Thomas. Non. J'espère que Thomas a un surin. Et puis je sais qu'il a envie de s'occuper de princesse. Oui, fouille chez Thomas, s'il te plaît. Non, j'ai fini ma journée. L'heure, c'est l'heure. J'ai fait un peu d'heure sup. Voilà, ça suffit. Bah, fumer des bédos qui ont traîné dans les chiottes. Chacun ses problèmes, Dorbatchev. À coup de savonnette. Une collection complète. Bon, ceci dit, on est quand même respecté par les gardiens et par les prisonniers, donc ça va. C'est-à-dire vous. Allons, je suis pas un mauvais maton, hein. Je sais ce que c'est, hein, d'avoir ses petits plaisirs, hein, sa petite bouffe et tout et tout. Vous pouvez pas me condamner. Ah, c'est le patron. Harry Scott. D'accord. Yes, it's over for today. Yes, level 2. Guard respect, ouais. Not bad, d'accord. Mais ça aurait pu être mieux. Bon, moi je trouve que c'était pas trop dégueulasse. Non, ça s'est bien passé. Hey, salut Véro, comment vas-tu? Je t'en prie, Julie, des gros gros bisous. Mais tu sais que je vais continuer, hein. Oh oui. Oui, oui, oui. Go to the parcel searching room. Parcel searching room. C'est la fouille de quoi? C'est pas la fouille des affaires ou un truc dans le genre? During this routine, you have to check the content of... Défaut E. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, un paquet pour Julie. C'est intéressant tout ça. On va regarder. Pick up... inspect the item and rotate... and check inside if you find something. Check item. Bon, j'ai pas tout compris, mais je... Ouais, on va voir. C'est right button et left. Ok. Bien sûr, on va regarder un peu ce qu'on a dans le carton de Julie. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un livre? Tiens, 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 voilà qui est intéressant. Et y a rien là-dedans dans ce petit livre? C'est un livre, d'accord. Y a rien de spécial là-dedans. Salut Bimaximal, comment vas-tu? Bonjour Monsieur Miller. Oui, j'avais fait le prologue et j'avais beaucoup rigolé. Oh non, de la mousse à raser. Un livre, le cartel. Vous êtes con. Ah oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites pilules? Bah alors, qu'est-ce qu'on a, Julie, ici? La petite pilule? Oh, c'est pour le cœur! On a une petite faiblesse au cœur, Julie. C'est tout? Y'a rien là-dedans? Hein? Ouais, des petites pilules. Sinon, y'a rien d'autre là-dessus? Bon, y'a pas. Salut Agnar, comment vas-tu? Et ça, c'est quoi, ça? Obus floxial. Ça doit être pour les problèmes de transit, ça. J'ai l'impression que Julie a des problèmes de transit. Ouais, ça m'a l'air bien clean. Ouais, je vois rien. Ouais. C'est peut-être de la mettre. Le mec, il s'envoie tout le contenu. Ça va très bien, Agnar. Remplacé par des laxatifs. Oh, ne soyez pas mauvais esprit comme ça. Voyons voir ça. Oh, très joli déo. Est-ce qu'on a quelque chose, ma petite Julie, dans le déo? Non, t'as rien coché à tonton Francky là-dedans? Bon, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y aurait pas autre chose? Les
ça c'est quoi? Du chocolat. Ah. C'est bon ça le chocolat, mais on peut tellement cacher de choses là-dedans. Ouais. Non, c'est du chocolat. Putain, mais elle est clean! Elle me dégoûte. Comment vas-tu, Véro? Bon, bah écoutez, si vous voulez que je vous dise, elle est clean, elle est clean. Et c'est pas de la maltraitance aux prisonniers. Alors, prochain paquet. Oh, mais c'est un paquet pour Gorbatchev. Qu'est-ce que tu as, Gorbatchev, dans ce paquet? Qu'est-ce que... Ouh, c'est qu'il y en a du merdier là-dedans. Chocolat blanc. Tu sais que c'est dégueulasse. Rien que pour ça, je vais te matraquer. Ouais, celle-là, elle va être gratuite. Pimpé de travers. Non, non, effectivement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du thon. Ugh, c'est dégoûtant. Vraiment, c'est dégoûtant ce que tu bouffes. Enfin, qui suis-je pour juger, hein? Et en plus, des bons becs à la cerise. Ah ben. Oh! Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une seringue? Mais c'est pas bien ça, Gorbatchev! Qui c'est qui va finir à l'isolement? Mais c'est Gorbatchev qui va finir à l'isolement! Mais oui! Ah! Y'a rien d'autre? Oh, tu t'y prends. Tu y prends trop de. Bien trop de plaisir, Franck. Mais non, pas du tout. Je fais bien mon travail, ce n'est pas pareil. Si on peut même plus prendre du plaisir quand on fait son travail, où va le monde? Ah, un gel douche. Est-ce que tu nous as réservé une petite surprise, Gorbatchev, dans ton gel douche? Non? Ouais, c'est un gel douche, quoi. Bon, bah, écoute... La seringue, c'est pour retirer l'huile de la boîte de thon, Franck. Oh, un petit paquet pour Donovan. Bah, Donovan, est-ce que tu crois que c'est Noël pour moi ou pour toi? Allez, on va voir ça, mon cher Donovan. Du chocolat. Bien, bien, bien. Est-ce qu'il y a une surprise dans ton chocolat, Donovan? Ça m'a pas l'air très réglementaire, ça, hein? Mais bon. C'est du chocolat, quoi. Voyons voir. Petite pilule pour le cœur. Toi aussi, tu as des faiblesses? Oh! Mais c'est de la contrebande, ça. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ces aiguilles, Donovan? Ah oui, vu ce qu'on mange ici. Tu vas voir, l'isolement, on mange mieux. Oui, il y a des noisettes. Si tu bouffes de la merde, Donovan. Ouais. Là, je sais que la bouffe de la cantoche, elle est pas terrible, terrible, mais enfin là, c'est pas ragoûtant cette histoire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Petite crème de protection pour le corps, pour tes petits muscles. Voilà qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est ça? Une lame de rasoir? C'est pour raser de près princesse, peut-être? T'aimes pas le thon, Franck? J'adore ça. Mais j'évite de trop manger. Donovan, Donovan, Donovan. Quelle tristesse, quelle tristesse. Mais il peut s'en faire une arme, confisque-la. Non, la boîte de thon, apparemment, c'est légal. Moi, j'aurais tout enlevé, mais bon. Oui, c'est ça, j'ai les poils de moustache qui poussent, je supporte pas ça. Princesse, tu me pousses à la faute. Free time? Déjà? Ah bah dis donc. Ah bah tiens, je vais aller faire un peu de basket. Ça va me faire du bien. Ah là là. C'est pour me raser de très près, voyons. Et puis si j'ai besoin, je raserai les autres. C'est ce qui m'inquiète, c'est que tu veuilles raser les autres. Ah, je fais correctement mon job, moi. Enfin bon. Bonne nuit, Mephistos. Faites attention quand même. Je dors que d'un œil. On va aller faire un peu de basket.
Salut mec. C'est qui ça? John Smith? On va te faire voir. D'accord, même à ce niveau, je peux même pas y arriver quoi, c'est quand même terrible. Tu te moques de moi, c'est ça? Hein? Petit merde. Je m'appelle le barbier de sévices. On va essayer ça, tiens. On peut faire de la muscu. Oula, alors attendez. Ah, ça améliore nos statistiques. D'accord. D'accord, et j'interacte avec eux. Ok. Ah oui, effectivement. Oula. De manière alternative. And repeat. D'accord. Ah, d'accord, il faut que je le fasse avec ça. Fast, d'accord. D'accord. Prends tes touches, Franck, c'est ça. Mais pas trop vite, apparemment. Too fast, voilà, je suis allé trop vite. Ok. Too fast. D'accord. Je comprends pas pourquoi too fast. Ouais, les coups de matraque ne seront que meilleurs. C'est pour ça. Oh Yosh, tu sais ce que j'aime, c'est ton esprit. Tu vois? Tu as totalement compris ce que je voulais faire. 20 points en stamina? Bah putain, ça les valait. Vous allez où? Go to the search room. Encore? J'ai dû faire de l'excellent travail, mais bon. Les balles, c'est pas ton truc, Franck. Non, définitivement. Est-ce que ça vous entrait de temps en temps que je fasse un prison simulator avec vos persos? Ça serait rigolo, remarquez. Si tu cherches un équipier maton, je postule. Tu peux pas? Oh. Qu'est-ce que... Go to the desk. D'accord. Et... Call the prisoner over the loudspeaker. D'accord. Je comprends pas ce que je dois faire. Idée rigolote. Ça marche. Oui, carrément. Oui, ça nous plairait. J'aime bien. D'accord. Prison Simulator is a new domina. Pourquoi pas, ça serait drôle. Pick up the prison item. Oui, bon, ça va, ta gueule. T'es qui toi? Anthony? Bah j'aime pas ta tête Anthony. D'accord, et je le pose où moi mon paquet? Je le pose là? Ah je peux pas le put. Bah d'accord, et je fais quoi moi avec le paquet? C'est récréatif, oui certes. Put down. Est echt dan faren die kur. Mais j'ai pas fouillé le paquet. On s'en fout, ok. Ah. Antonio Oyaka. Number 454554. Ouais. Oh. D'accord. Bah ça m'a l'air correct tout ça. Ça m'a l'air très très bien. Il faut lui changer de nom, on peut pas. On peut pas lui changer de nom. C'est des prisonniers random.
Bon, ça m'a l'air bien. Faut poser le colis sur l'autre table pour le fouiller, il me semble. Sur l'autre table? Ah ouais, mais trop tard, je peux pas. Quoi, la table qui est derrière, Marc? C'est ça? Non, non, on peut pas. Bon, ça m'a l'air bien, cette histoire. Allez, tu m'évacues. Ça fait très japonais quand même. Ouais, 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 tout à fait. C'est quand même bizarre que je puisse pas fouiller leur paquet. On the shelf. Le shelf, c'est ça, hein, je pense. Parce que on me donne pas l'occasion de le poser sur le burlingue. Je peux le poser ici. Je peux pas le poser ici. Je peux pas le poser ici. Et je peux pas le poser sur la table. Donc, à mon avis, on veut pas de nouveau, nous. Alors, qu'est-ce que tu as, mon petit canard, sur toi? Ouais, ouais, c'est... une barre de lait. Ah, c'est du chocolat au lait. Je peux... je tolère. Je tolère, voilà. Salut à toi, Nono. Merci beaucoup pour le follow et j'espère que tu vas bien. Alors, comment tu t'appelles? Jason Thompson, oui. Numéro 287-110, nous sommes d'accord. Il a insulté une personne, d'accord. Ouais, bon, les empreintes ont l'air bonnes, hein. Après, pour vérifier mes fesses, hein, mais bon. On fait ça à l'arrachouille, hein. Bon, bah, ça m'a l'air bien. Allez. Allez, casse-toi. Free time, parfait. On va aller refaire un peu de muscu. C'est dommage pour le coup, tu pourras pas inclure des nouveaux viewers en modo soumis du chat pour un new domina. Bah après, je vais supposer que peut-être dans les options, on peut. Je pourrais pas dire. Je vais bien, merci et toi? Bon, moi ça va bien, on se marre bien surtout. J'aurais une question. Est-ce que vous allez refaire le coop de la coop The Forest avec Jack Play? Parce que c'était vraiment juste trop drôle. Je m'endors tous les soirs avec votre stream. Oh, c'est gentil. On en avait parlé avec Jacko. C'est vrai qu'on aimerait bien le reprendre. Mais là, en ce moment, on est sur Minecraft. En fait, je sais pas trop pourquoi. On a envie de trucs un peu détendu. Tu vois, un peu tranquillou. Un peu tranquillou. Casse-toi de mon banc. Là, de suite. Voilà. Donc je peux aller espérer un jour avoir des vidéos The Forest de vous deux. Ah oui, ah oui. C'est même certain. Et puis tu sais, on a envie aux filles de faire le 2 quand il sortira. Donc au contraire, hein, tu peux te rassurer et te tempérer là-dessus. On refera du The Forest, même le 2. Donc ça, c'est même une évidence. Too fast, merde. D'ailleurs, tu as une date pour le 2? Oh, là, faut regarder sur Steam. Ben, si quelqu'un peut y jeter un coup d'œil, tiens, j'avoue que ça pique ma curiosité. J'aimerais bien savoir. Et merde, Too Fast. Ça pourrait être marrant, The Forest en solo. Oui, aussi, parce que... mais c'est vrai qu'avec Jack, on aime beaucoup les jeux de survie tous les deux en coop. Parce que on est tous les deux très raccord, en fait. Vas-y, pousse, Francky. Tu vois, il est là, le problème. C'est que moi, je veux bien pousser, mais... Too fast, d'accord. Je comprends pas le too fast en fait. Putain, dur, hein. Yeah, j'ai regardé le solo de Jack aussi. Bon, pff, moi je dirais pas non, tu vois, pour le faire. Après, honnêtement, oui, bien sûr, ça me tente de le faire solo, mais c'est vrai qu'avec Jacko, qu'est-ce que je me marre. Et puis on est raccord, on a les mêmes idées. Les mêmes refs, donc automatiquement ça va, quoi. Avec Jack, c'est top comme équipe. Oui, 31 décembre 2021. Merci, princesse, t'es une shoot.
Tu vois, la prochaine fois, je te mettrai pas un gros coup de matraque dans la tronche. Puis bon, je t'ai quand même laissé ton shit, hein. J'ai quand même sympa comme gardien. 20 stamina. Parfait. Je dois aller où? Ah, il faut retourner au bloc de cellules. Fort bien. Comme moi et Baldur's Gate 2, j'attends le let's play depuis longtemps, mais je le sens comme Star Citizen. Non, pas du tout. En fait, le problème de Baldur's, c'est qu'il faudrait que je fasse le prologue. Parce qu'il y a un prologue au 2 qui a été fait par Beamdog. Il paraît qu'il est très très bien. Je crois qu'ils l'ont mis en FR d'ailleurs. Et ensuite, je ferai Baldur's Gate 2, mais je ferai une version un peu spéciale qui a été retouchée par Leak, que j'ai testé très très rapidement d'ailleurs. Avec alors, le jeu sera très intéressant parce que là, cette fois-ci, il a rehaussé l'intelligence artificielle et toujours. En collant bien sûr au lore des royaumes oubliés, il y a des nouveaux monstres. Enfin, en tout cas, de nouvelles monstruosités, donc c'est pour ça. Oui, 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 ils sortiront, je pense. Donc c'est pour ça, Dorbatchev, non. Le problème de Baldur's Gate, c'est qu'il est ultra long. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, mais comment dire, tu as... C'est dommage parce que moi qui suis un grand fan de jeux de rôle, tu vois, je sais que pertinemment que tout le monde n'adhérera pas, tu vois. Par exemple, le Pathfinder, j'adore, mais ça sera difficile. For the morning one, no, you have to make sure that all prisoners return to Versailles. D'accord. Ah, il faut prendre le clicker. Ok. Très très bien tout ça. Ah, forcément. Qui joue les cakes? Qui joue les patrons? Qui va jouer les patrons là? Ouais, va rejoindre le reste. Oula, qui c'est qui rebiffe là? Tu peux m'insulter. Bah alors, voilà, là on est d'accord. Bah alors, ça va mieux Dorbatchev? Oh, toi, tu vas rentrer dans le rang. Petit con. Petit merdeux, tu m'as attaqué? Alors Donovan, on rebiffe? Je crois qu'il a dit que tu avais une gueule de hamster. Oui. Oh, ce que je t'ai mis, princesse. J'ai pas mon chocolat, du coup, la baston. Mais si, je te l'ai donné. Ah bah, dis donc. Voilà. Bah alors, on rebiffe. Attends, 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 Mister Luigi. Tu vas rentrer dans le rang. Parce que je t'ai demandé. Petit merdeux, va.
meurtre. Et puis pour qui, là? Prochain que je vois traîner, je le tabasse. Non, mais oh. Oui. Alors, bon, on va t'envoyer à l'isolement. Hein, pour la bagarre? Bah non, no phone. Ouais, on va te couper l'obligation de téléphoner. Hein. Voilà, comme ça, la prochaine fois, tu sauras qu'il faut pas te battre. D'accord? Salut Ryder, comment vas-tu? Ah, Virginie qui est blessée. Ah bah super. Très bien, tout le monde est dans le rang, c'est très bien ça. Ça c'est bien, bravo. Julie, très bien. Dorbatchev. Joey, le Fufu. Ah, Joey. C'est ça le problème de vouloir jouer les patrons. Ben voilà, maintenant tu peux plus téléphoner. Ah, oh, princesse, ma petite chouchoute. Est-ce que t'as des trucs ici? Est-ce que t'as encore planqué des trucs? Des nachos. Ah, intéressant, princesse, très intéressant. Qu'est-ce que t'as d'autre? Rien d'autre? Vraiment? Oui, c'est important de bien maintenir. Encore des joints? Ça tire fort, hein? Ça tire fort, hein? Allez, je te les laisse voir. T'es quand même la petite soumise du bloc, hein? Allez. Allez. Hop là. Ah, Pat. Tu te tiens tellement bien, Pat. Ça fait plaisir. Mister Luigi, t'as essayé de me taper, hein, tout à l'heure. Ah oui, tu sais, j'ai pas oublié. Hein. Alors, Mister Luigi, est-ce qu'on a quelque chose? Oh, tu vois, je suis pas un chien, moi. Je te laisse ta bouffe. Quand même. C'est très très bien, c'est très très bien. Très très bien tout ça. Voilà. Vitry. Ah, Donovan, tu m'as tapé au fait tout à l'heure? Tu crois que j'ai pas oublié? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu nous caches? Mais une boutade, c'est une patate amicale. Oui, bien sûr. On va laisser ton cola, hein. T'as vu? Tu l'aimes ton maton? Allons. T'énerve pas. C'est pas bon pour le cœur, ça, Donovan. Mephistos. Très bien. Très bien. Ah là. Une bonne journée de rempli. Ah. J'aime quand mes prisonniers sont au pas. La canette est évidemment faite pour être bue, pas pour servir de projectile. Bien sûr, Donovan. Je m'en fous, j'y ai glissé des laxatifs. Eratum, c'est pas Princesse que j'ai bolossé, mais Elsander. Oui, j'avais eu un doute, parce que Princesse a vraiment une tête de soumise avec ce perso. J'ai pas fouillé ta cellule. Mais Franck, mais tu m'as chouchoute, je te laisse tes joints. Ça aurait été d'autres, je les aurais pas laissés. Hein. Ah. Bien, ça se passe bien. Ah. Tu me dois toujours mes thunes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oui. Two things you need to know. D'accord. C'est quoi ces trucs?
D'accord. Fradis dire tapa. D'accord. C'est tout. D'accord. Ok, bah allons-y, hein, pas de souci. Mais j'ai les joints. C'est que j'ai dû te les filer les thunes. Je t'ai sûrement payé en limonade vu que je ne l'avais plus sous l'évier. L'habit d'Obacati. D'Obacati, d'accord. Salut chef. Oh, il nous file une promotion. Ah, nouvel assignement. D'accord, qu'est-ce que c'est? Ah, je peux faire des améliorations. Ça passe pour cette fois. Le Klingon, le Simlish. Oh. D'accord. Ah, on peut améliorer vos commodités, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Ah ouais, $2000. D'accord. Shower. D'accord. Workshop. Ah ouais, c'est cher, hein. Tout coûte cher, hein. Putain. Dix par prisonnier. Je vous avoue que vos... Ah ouais. C'est pas ouf, hein. Ouais, ben pour le moment, on va pas faire vraiment d'amélioration dans vos cellules, hein. Ah oui, à coup de sabre laser, ils feront moins les malins. C'est quoi le système de level up de Wisebot? Non, c'est plus tu es présent, plus tu participes à la chatroom, plus évidemment tu pourras, level up, mais c'est plus un gadget qu'autre chose. Mieux pour me libérer à tout moment, quand je nous entends parler. Qui vient vous délivrer? D'accord. Alors, je dois discuter avec Alexander Machin. Alexander Davis. Coucou Todd, comment vas-tu? Skill point and money, d'accord.
était pas des scènes de que ma douce. Ça, c'est ce que j'avais compris. Que de t'internamate sa de nobel. D'accord, plus facilement. A camtom, mon bâton est un zoom. Vos mètres est un état sans avou. Ah! Négociateur, ouais. Trust. J'avoue que l'intimidation ne me déplairait pas. Ah, ça me coûte du pognon, d'accord. D'accord. A camtom, mon bâton est un zoom. Que de t'interna mate satin. Et t'es pas des servitudes de la douce. Plot twist. On est dans le rêve d'un mignon de moi moche et méchant et on va se réveiller. Chouette, la vision de l'aigle, c'est pour Jack ça. Ouais, le problème c'est que c'est accompagné d'un malus de mauvaise foi qui est extrêmement important. Je suis content de vous retrouver, mes petites louloutes. Ça fait plaisir. Combien j'ai d'argent? Non, ça c'est le tutoriel. J'ai 15 dollars et une canette de coca. Super. Vous allez voir, on va passer un bon moment aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, c'est les modérateurs et les viewers qui sont mes prisonniers. C'est très drôle. Ça ne paye pas d'être maton. Non, clairement. Ah, go to the object and check is nothing is hidden where you can continue searching. Ah, d'accord, on peut le prendre, ça. D'accord. D'accord. Ah, attends. You can try to... Ouais. Alors... Eh ben, on va fouiller. Qu'est-ce qu'il y a, alors? On dirait le début d'une mauvaise blague. J'ai 15 dollars et une canette de coca. C'est pour ça qu'il est cruel. Alors, nous devons fouiller qui? Dorbatchev. Voilà mon petit Dorbatchev. Un peu tendu? Faut pas être tendu comme ça. Tu permets que je te fouille? Rien sur toi? C'est très bien ça, mon petit Dorbatchev. C'est très très bien. Il se venge sur les prisonniers, mais non. Allons, allons. Il est dégueulasse son mot. Oh non! Le bâtard! Non! Putain! Petit enculé! Je vais te montrer qui est l'autorité ici. À l'isolement, mon petit père. Allez, viens. Bah alors. Bah alors, Donovan, qu'est-ce qui se passe? Tu vas y aller, mon petit père. Voilà. Tu retournes gentiment. Alors, j'en étais où? Ah oui, j'avais pas fini Dorbatchev. Alors...
ton oreiller est dégueu parce que tu fouilles les chiottes, puis mon lit sans changer de camp, tu me perds. Oui. Fadista, Fadista, Nikatata, Nikasta, Nokitu. Oh, tu vas y aller à l'isolement. Oui, je fais confiance à mes collègues. Alors, Joey, t'es où? Ah, t'es là, mon petit Joey. Oh. Et ben alors, Joey? Des vis? C'est pas bien, ça. Oh, bah oui. Comment ça, moins 50 de respect? Allons, allons, Joey. Fais pas l'enfant. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce que c'est, des cigarettes? Les cigarettes. Comme de la boxe, bien sûr, Donovan. Bah quoi, je voulais te visser. Ça serait dommage que je t'enlève tes cigarettes, non? Tu crois pas? C'est tellement bon de profiter un peu d'une bonne cigarette, tu vois, après s'être violenté dans la douche. Ça serait dommage. Allez, je suis pas un salaud, je te laisse, tes clopes. Ah, j'ai oublié de vérifier ton oreiller. Ouais, y'a rien. Tu vois que je suis pas un salaud. Alors, Elsander. Oui, les chatons. Oh. C'est pas bon pour les poumons. Ouais. C'est comme pour les douches, t'inquiète pas que c'est pas bon. Oh bah alors, chaton, voyons voir, qu'est-ce que t'as sur toi? Rien, c'est très bien, Marc, c'est très très bien. Mais non, je lui laisse. Je suis pas un salaud quand même. Ah, j'ai pas fait les bordures. Ah, mais ça c'est pas bien ça, des petites aiguilles. Bah on sécurise, hein. Pardon, chaton? Reste où tu es. Oh, des cigarettes. Allez, je te les laisse, Marc. Eh ben, je vois qu'on s'ennuie pas, chaton. Elle est sympa, ta copine. Enfin, potentiellement une copine imaginaire, peut-être. Hein. Tellement dur, la prison. Très dur, hein. C'est très bien, Marc. J'ai pas fini de fouiller vos... J'ai mal fait. J'ai oublié de faire les cuvettes. Alors, Joey? J'ai oublié la cuvette, je suis bête, hein. C'est bien, Joey. C'est très bien. Et j'ai oublié la cuvette de Dorbatchev. T'as oublié sous le lit aussi. Sous le lit. De la drogue. C'est pas bien ça aussi. Allez, on confisque. Sous le lit, comment ça? Tu peux pas sous le lit. En fait, il te dit de te mettre sous CTRL, comme ça tu vois qui te regarde en fait. Tu vois? Donc non. Tu vois? Ah! Ah, pas con, princesse. Bon, allez, on lui laisse les chips. Merci, princesse. Tu vois comme quoi, hein? C'est le soumis en orange, bien vu. On va regarder en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est très bien, Joey. Oui, je sais que t'es pas content. Surtout que mes compatriotes, ils se bougent pas trop le trognon. Bon. Allez, on va fouiller un peu là-dessous. C'est bien. Oh, princesse. Allez, on va fouiller princesse. Et on a oublié ici. Rien. Le maton est un pourri. Mais non. Je fais mon boulot. Tout de suite. Non, non, j'ai pas fini d'inspecter.
Eh ben dis donc, c'est que les prisonniers m'aiment pas. Ça m'arrange, je les aime pas non plus. Ah là là. Quand même triste. Voilà, moi je suis clean, monsieur. Mais j'ai rien dit, princesse. Tu te justifies beaucoup, je trouve. T'en as oublié son oreiller. Oh, elle avait rien sous l'oreiller. Alors on va pas toujours lui tirer ses clopes, hein? Puis elle a pris ses cigarettes qui font rire. On va lui lisser à la petite. Je sens bien que ça lui fait plaisir. Par contre, vous m'avez sévèrement tapé, hein? Petit con. Allez, on va travailler un peu sur le banc de muscu. Ah, un peu de stam. Ça fait quoi si tu gardes la gondre en bande pour toi? Tu peux la revendre. La fête des dents passera. La fête des dents passera. Tu es trop souffrant, que ça te perdra, je sais. Et tu sais, le pire dans tout ça, Crampman, c'est qu'il ne me respecte même pas pour ce que je fais. Triste, n'est-ce pas? Mais comment ça, tout fast? Mais non! Voilà. Bon, bon cœur, le favoritisme te perdra plutôt. J'ai quand même laissé des cigarettes, je sais plus à qui. Est-ce que je suis un monstre? Non. C'est une prison, hein. C'est pas non plus Disneyland, hein. Dommage, Yosh, que tu ne sois pas prisonnier. Je le regrette. Je me serais bien occupé de toi. Ta prison architecte, tu veux moult prisonniers à maltraiter. Oh, il est excellent d'ailleurs, Crampman. Tu es pas un monstre, tu es un faible, tu nous laisses nos clopes. Ouh, ça je vais m'en souvenir, Joey. Tellement triste, tellement de choses de contrebande, par exemple le chocolat, les chips. Tout ça c'est de la contrebande, tu sais. J'avoue, les mascottes de Disneyland sont moins bien traitées que chez Franck en prison. Allez, parfait. Par contre, je ne sais pas comment on augmente la vitesse. Ça, j'avoue. Alors, on me dit d'aller au cell block, escort de prisonniers, tout, solitary. Ah, mais c'est... Ah, mais oui, il faut que j'amène Donovan à l'isolement. Ah, Donovan, Donovan, Donovan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Donovan? Hein? Ah là 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 là. Tu sais, tu m'attristes, mon garçon. Je te traite comme mon propre fils, et voilà comment tu me traites à moi. Tu m'attaques à plusieurs reprises. Finalement, la prison, c'est pas si mal en comparaison de la modération. C'est un peu exagéré quand même, princesse. Ah là là, Donovan, Donovan, Donovan. Ah bah c'est... C'est Mephisto qui m'a attaqué? Ah mais non! Desde la pata. Fadista. Nikatata. Encore? Ah! Eh bah oui, j'ai appris. Eh ouais. Bon alors, Donovan, on essaye de taper son gardien préféré? Allez, tu me viens, tu viens, tu viens, on y va. Je t'apprends le respect, moi. Ah, allez, viens, mon petit lapin.
Tu viens? Ah bah oui, tu m'aimes pas, hein. Ah, 22 de respect, hein. Et puis t'es agressif aussi. Allez, rentre mon petit chat. Voilà. Ah là 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 là. Franklin les pseudos. Ah, c'est Marc, pardon. Bah oui, mais vous êtes en rouge tous les deux. Bon, vu que Franck m'a fait confisquer ma drogue, je vais bouder. Bonne nuit Dorbatchev, des gros bisous ma poule. Ah, qui je vais choisir pour aller bosser? Bah, qui c'est qui va gagner de l'argent? Julie, elle s'est bien tenue jusqu'à présent. Allez, on y va Julie. Ensuite, on va choisir. Vitry, t'as pas fait de vague. Allez, Vitry, on y va. Virginie, ouais, ça va lui faire du bien. Un petit peu d'exercice. Mister Luigi, il est allé la dernière fois. Non, Raz, il est allé, il a brûlé, donc on va le laisser tranquille. Princesse, elle fait pas de vague. Chaton. T'es un peu agressif, chaton, je vais pas te prendre avec moi. Illidia, c'est très bien Illidia. Allez les enfants, on y va. Vous voyez, c'est ça que j'apprécie avec vous. Vous êtes tous bien alignés, comme des petits pantins. Allez. Hein, on follow le maton. C'est bien. Ah là 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 là. Regardez-moi quand vous avancez comme des petits soldats à la parade. C'est beau. Ça se passe bien, hein? Et puis vous allez me faire du bon boulot. C'est important de faire du bon travail. Ah, c'est bien, ça suit. Allez, on vient ici. Ça traîne un peu, hein? Ah ouais, ça traîne un peu. Alors, voyons voir. Oui, Julie a été juste. On va te redonner le marteau. Vitry. Qu'est-ce que je vais te donner, mon petit Vitry? Je vais te donner le tournevis. Hey, bonsoir Silkinael et merci beaucoup pour le raid. Et bienvenue à tes viewers. Comment vas-tu, mon bon ami? Salut à toi, Lille Junouille. J'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce que nous allons te donner? Parfait, princesse. Une ranch. Et merci pour le follow, Lille. Merci beaucoup. Et Illidia, eh ben écoute, Illidia, on va te donner ça. Très bien. Maintenant, on va voir que tout le monde bosse. C'est très important. C'est bien, Virginia bosse. Très très bien. Tu bosses pas vite, hein. J'explose de rire. Bon. Surprenant, mais tout le monde fait son taf, c'est bien. Tu bosses pas vite, princesse. Bosse plus vite. Ça a l'air correct pour le moment. Allez Julie, plus vite. Hop 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 hop, qu'est-ce que tu fais Virginie? Ouais, t'es en train de réfléchir Virginie. Oh bah princesse! Oh princesse, quelle déception! Tu déranges les honnêtes travailleurs? La bidobacati!
C'est bien Vitry, il faut que tu retardes. Il m'a mal regardé. Il t'a surtout défoncé, princesse. Il t'a surtout défoncé. Tu vois, les joies l'ont rendu folle. Oh là 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 là. C'est bien, ça a l'air de bosser. Ça a l'air bien. T'as vu le respect de princesse, confisque les tout. Oh bah, la prochaine fois c'est surtout à Joey que je vais tout enlever. Le chocolat, les chips, nachos, tout ce qui traîne. Même son oreiller. Je me demande même si je vais pas lui enlever son matelas. C'est contrebande le matelas. Bonne nuit Crampman, des gros bisous. Ah là là, princesse, 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 qu'est-ce que tu m'as fait ? Il m'en manque pas, hein. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pense que Joey a raison. Je pense que tu... un peu trop fort, princesse. Hein? Peut-être un petit peu lever le pied. La prochaine fois, je vais te les confisquer, hein. Je crois que ça attaque, hein. Eh ben c'est bien, vous bossez bien, 60$, les autres avaient fait 42. Ah bah écoutez. Allez. Vous devez me donner tous les outils. Mais les joints ça détend, ça donne pas envie d'aller tabasser le premier venu. Ah bah apparemment toi ça t'a rendu très agressive. Alors Julie, bah j'ai rien à dire hein, sur Julie. Et ça sert à rien de prouter, princesse. C'est très mauvais. C'est moche, même. Ah bah bravo l'élégance, hein. Voilà. Mon petit Vitry. Ah, tu vas me donner ça. Pareil, hein. Ah, c'est ce que j'aime. C'est que quand vous êtes cool comme ça, voilà. Ouais. Prochaine fois, princesse, tu bosseras pas au work, hein. Rien sur Julie. Vitry a rien. Virginie. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on nous avons là? Allez, je te le laisse, Virginie. Je te le laisse, Virginie. Je te le laisse. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous avez bien bossé. Ah, il faut quand même les fouiller. Bon, tant pis. Bon, bah, vous avez le droit à une double fouille. Hein. Alors, Vitry, oui. Je suppose qu'on va retomber sur... Oh là là, Virginie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des vis? Non. Ah, tu m'aimes pas. Bah, écoute, c'est la vie. C'est contrebande. Allez. Oh là là, des morceaux de bois. C'est vraiment pas bien ça. Non. On confisque. Ah oui, je comprends. Bon alors Lydia. Oh là là, quelle déception. Quelle déception. Moi qui vous faisais confiance. Des vis et des morceaux de bois. Ah bah. Oh là là, où va le monde, je vous le demande. Non, le problème c'est que le soumis des cellules. Bon bah ça va être Donovan, hein. Je suis obligé de faire un exemple. Il m'agresse. Bon, bah, voilà. C'est triste. Free time. Cool. On va essayer les fléchettes. Non mais sur ce coup là, tu en as perdu quelques. Ils ont été plus productifs. Oui, ils sont plus dociles aussi, hein. Plus dociles. Sauf princesse. Prochaine fois, bon bah, elle ira pas bosser au workshop. C'est dommage, hein, parce que ça rapporte de l'argent pour vous aussi, hein. Disons que je vais être moins cool pour ça, pour ces fouilles de cellules. Elle va à l'isolement? Non, je vais pas la foutre à l'isolement. Même. Tu m'as envoyé deux fois aussi. Laisse-moi profiter les autres aussi. Hein.
Ah, c'est avec toi que je dois jouer? Je... 901, 301, c'est quoi 301? Debug. Miss? Pourquoi j'ai miss? Bah, je comprends pas. J'y étais. Perfect, on est d'accord. Doit finir à zéro, d'accord. Ben, pourquoi il me met miss, ce con? D'accord. Ben. Je dois faire 11. Le score de tes fléchettes doit faire le nombre restant. Je viens de le comprendre. Tu dois réussir à faire 301 points exactement. Bah non, je ne savais pas. Je ne savais pas, honnêtement. C'est après coup, je me suis dit, ok, ça va, j'ai bité le truc. Ah, la fouille des colis. Hein? Qu'est-ce qu'on a reçu? Eh ben, on a un paquet pour chaton. Oh, Julie, encore reçu un paquet. Bon, on va commencer par Julie, honneur aux dames. Alors, ma petite Julie, qu'est-ce que tu as là-dedans? Ah, ça sent la contrebande, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, Julie? On a du chocolat, seulement. Qu'est-ce qu'on a, là? Non, c'est juste la marque du paquet. Ah là là, rien du tout. Du thon. Tu as fini par double 4, donc c'est bon. Oui, oui, ça y est, je vais... Non, mais c'est parce que je viens de comprendre, en fait, hein. Ah bah. Oh, dis donc, beaucoup de gel douche. Je trouve que ça fait beaucoup. Ouais. Ah, y a rien, d'accord. Je vais rien dire. Putain, mais tu vas pas me faire croire qu'elle a rien. Mais c'est pas possible, elle est super clean. J'ai cru voir quelque chose, mais non. Mais c'est complètement fou, elle a rien. Elle est... Oh. Non, y a rien là. Putain, mais c'est fou, elle a rien. On peut pas être bon au matraquage et aux fléchettes. Possible.
Elle n'a rien à faire en prison. T'as quelque chose à demander à Agnar, à princesse? Putain, mais j'hallucine. Elle a... Elle est clean. Mais c'est pas possible. Putain, deux fois. C'est parce que j'ai dû la gauler une fois. Alors maintenant, elle est clean, quoi. Alors ça, c'est le carton de chaton. Alors, voyons voir. Alors, une lime. Eh ben, il me fera pas croire que c'est pour limer ses petits ongles. Hein, eh ben, on va prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, qu'est-ce qu'on a là? Des joints? Allez, je suis pas vache, on va lui laisser. À la troisième, tu peux la libérer. Voilà, pour le coup, j'ai rien à dire. Hein. Enfin, concrètement, elle est clean, quoi. Les joints pour princesse. Non, c'est pour chaton. Je suis pas un monstre, hein. Je suis un bon maton. Oh, hop, 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 qu'est-ce qui dépasse là? Eh ben, dis donc, chaton. C'est très très mal tout ça. Y'a rien de spécial dans ton risotto? Une lame de rasoir? De la drogue? Ah bah. Quelle déception. Bon. Bah écoute. Deux objets. Allez. Bon, on va laisser les joints. Allez, hop. Ah bah, princesse ira les acheter à chaton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vraiment rien? C'est le carton de qui, ça? De Yagalon. Ah. Mon petit Yag, qu'est-ce que tu as là-dedans? Du thon. Rien de plus. Ok. Ça va me faire croire que Yaga. Rien que ce livre, c'est contrebande. On est d'accord. J'ai un paquet de chips en échange. Marc, tu veux bien? On est d'accord que rien que ce livre, je le fous à l'isolement. C'est de la folie. C'est pas possible. Rappelez-moi de tabasser Yagalon. Non bah il est clean son carton, je peux rien dire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Triste, c'est tout, c'est triste. Aïe 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 aïe. Non, c'est pas là. Mes yeux, ça brûle. Faut clipper ça pour Nadi. Bah ouais, clairement, oui. Oh bah oui, hold on, bien sûr. Tout est ok pour aujourd'hui. Ah, la prison a gagné 62$ et moi j'ai gagné 10$. Riot risque plus 1, ouais. Par contre, j'ai le respect de mes confrères, ça c'est très très bien. Je vais juste vérifier un truc, les enfants. Ça sauvegarde automatiquement. Vous savez quoi? On fait une dernière journée et après je m'arrête. Si tu me piques des trucs, revends-les pour le meilleur, pour un meilleur confort. Ah. Quoi de mieux commencer la journée pour aller voir mes petites louloutes qui sont dans leur cellule? Ah bon, on va aller voir mes petites louloutes. Ça va être sympa. Tout ça pour savoir ça, hein, princesse. Mais va te coucher, Andouille. Tu sais que ça existe la rediff quand même, hein. C'est important. Ah.
Logan. Une flashlight. Oh là là, j'aime pas trop ça. Je me suis gouré, je pense. Attends, la map. Mais je suis où, moi? Eh ouais, il fallait que je retraverse tout le truc. Il est pas, c'est par là. Peut-être par là alors. On sait jamais. Ah, Thomas est manquant. Alors, comme ça, Thomas, tu aurais causé tous ces problèmes. Bah, dis donc, Thomas, c'est qu'on fait le con. Sauver ma vie. T'exagères pas un peu, princesse? Il faut passer par là. Sauf qu'il est que 18h. Bah, je me doute, Yann. Hop, hop, hop. Alors Thomas, je ne suis pas en sécurité ici. Prends le MF, Franck, je prends la Spirit Box. Il est allé à la cantine, mais c'était pour aller chercher de la bouffe. Eh ben alors Thomas, on fait vraiment le con, hein. Couper le jus de la prison. Oh là 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 là. Et je sais à quel point ça peut être dur, Yann. Surtout un décalage comme ça. Écoute, le plus important, c'est essayer de te retrouver ton rythme. Donc il est que 18h. Tiens le choc. Hein.
Bonne question, princesse. On va vérifier le workshop. Ça va le trouver le fusible dans tout ce merdier. Bonsoir Bibouille, comment vas-tu? Il est bien ce jeu? Il est excellent. Moi je me marre hein, dessus. Il a peut-être caché ailleurs sur lui, là où tu ne pourras pas le trouver qu'avec une paire de gants. Tu sais ce qu'on peut faire avec une paire de gants. Tellement de choses. Il y a un sens. Bon, pour moi, il n'y a pas de sens. Hein. Ah, ça y est, j'ai compris. Ok. Celui-ci va là. Ils sont obligés de te mettre avec les chefs pour te surveiller. Eh ben voilà. C'est à cause de Thomas Danglars. Il a tenté de s'échapper sans les lumières. Et tu sais que dans le prologue, moi j'avais le droit à... aux émeutes. C'est excellent aussi.
Il va rester quelques années de plus. Parfait. Ah bah parfait. Ah bah hé. On va pas se plaindre. Eh bah écoutez. Toi tu dis. Nous on a vu un carnage si je me souviens bien. Bonne nuit Yosh, des gros bisous. Et moi les enfants, bah je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie énormément pour votre présence, aussi bien sur le live découverte que sur Prison Simulator. Vous aurez le droit à un peu plus de Prison Simulator de temps en temps. Parce que c'est drôle, parce que c'est récréatif, et parce que, bah voilà, tout simplement, moi ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain soir sur du Tezo, solo, PVE, avec les drops activés. Que demande le peuple ? Des gros bisous à tous. Ciao les canards.